Salut Chameau, c'est Flodrox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo pour vous montrer tout simplement deux ou trois astuces pour se faire un maximum de crédits sur FIFA 21, donc en Ultimate Team. Donc je vais vous expliquer en même pas deux minutes. Donc franchement ça va aller super vite, hein. J'ai pas envie de vous casser la tête avec ça. Mais juste pour que voilà, vous sachiez comment vous faire des crédits. Donc déjà, quand vous venez de prendre en main le jeu, franchement je vous conseille de dès le début faire du clash d'équipe. Parce que bah tout simplement genre c'est le mode le plus simple dans ce jeu. Enfin dans FIFA Ultimate Team, c'est vraiment le mode le plus simple parce que vous pouvez mettre la difficulté que vous voulez. Et même si vous avez une équipe de merde, bah vous pouvez toujours quand même gagner. Voilà, ça déjà ça vous fera quand même beaucoup de crédits. Ensuite, si déjà vous avez les bonus de crédit, mais ça. Vous avez les bonus de crédit, vous les avez dès le début quand vous avez acheté le jeu précédent et quand vous avez un bon niveau sur le jeu précédent. Donc ça veut dire que si vous venez d'avoir le jeu et que vous avez jamais joué à un FIFA ou que vous avez changé de console et du coup bah, c'est la première fois que vous jouez à un FIFA sur cette console, bah vous aurez pas les bonus de crédit. Et franchement les bonus de crédit ça sert beaucoup. Donc voilà, si vous les avez, normalement vous les avez, ça se met automatiquement. Donc voilà, mais faites quelques matchs et ensuite, genre quand vous êtes arrivé vers 10 000 crédits environ, faites de l'achat-revente parce que franchement l'achat-revente ça marche super bien pour vous faire augmenter en crédit. Franchement c'est facile, j'ai déjà fait deux vidéos dessus sur l'achat-revente. Franchement bah ça marche super bien et même il y a plein de vidéos d'achat-revente sur internet. Donc franchement faites ça, c'est super important pour pouvoir progresser dans le jeu. Et ensuite vous pouvez aussi faire du Division Rivals, mais ça franchement... Je vous dis, moi j'ai fait l'erreur de commencer du Division Rivals avec mon équipe toute pourrie du début. Du coup, ça veut dire que je me suis fait enculer. Genre, j'ai fait seulement... Franchement, j'ai fait un truc pourri. Hein. J'ai fait qu'une victoire, deux défaites. Je crois que j'ai fait deux nuls, un truc comme ça. Enfin bref, franchement, claqué. Et la victoire, je l'ai fait au dernier match. Vous voyez les matchs de classement, là, les du tout début. J'ai fait au dernier match parce que bah, j'avais une bonne équipe à ce moment-là. Donc voilà, mais sinon, voilà. Division Rivals, faut le faire quand vous avez vraiment une bonne équipe. Donc voilà, en gros c'est les petites astuces que je vous ai donné parce que ben je voyais qu'il y a des gens qui voulaient des petites astuces. Donc voilà, bon je suis désolé, il n'y a pas de gameplay, il n'y a rien, juste j'ai allumé mon micro et j'ai parlé. Donc voilà, mais franchement je voulais juste vous donner ces petits tuyaux pour que vous réussissiez à jouer à FIFA. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, et moi je vous dis bye bye.